Michel Chartrand disait, le syndicat, c'est pour la liberté. Et je pense que c'est vraiment ça. Ça te donne la liberté de penser, la liberté d'agir. Tu n'as pas peur, tu n'es pas précaire. Si tu agis de telle façon, mon Dieu, est-ce que le boss va aimer ça? Puis est-ce que je dois faire ça comme ça pour garder ma job? Non, ça te donne une sécurité. Et cette sécurité-là t'amène à la liberté. Et je pense que c'est ça, le syndicat. Donc, dignité, liberté. J'étais membre du syndicat d'enseignement de Champlain, sur la rive sud de Montréal. Il y a eu toutes les fusions de commissions scolaires. Donc, il y a eu la commission scolaire des Patriotes. Grosso modo, c'est Boucherville, ça suit le fleuve, Boucherville, Varennes, Verchères, Entrecœur. Après ça, on s'en va vers Saint-Marc, sur Richelieu, vers Belleuil, Saint-Julie, Belleuil, Saint-Hilaire, tout ça. Donc, commission scolaire des Patriotes. Il y a la commission scolaire Marie-Victorin, ça c'est Longueuil-Brossard. Là. Je vous donne les villes les plus importantes. Et ensuite, on saute et on arrive à Valleyfield, Huntington, Beauharnois. C'est un syndicat multicatégoriel. Il n'y en a que trois au Québec, dans la CSQ, devrais-je dire. Donc, il y a le syndicat de Champlain, syndicat sur la Côte-Nord, et il y a un syndicat multicatégoriel, c'est Gaspésie-les-Îles. Ça veut dire qu'on ne représente pas simplement des enseignantes et des enseignants, mais on représente d'autres catégories de personnel, soit notre personnel de soutien. Alors, que ce soit secrétaire, technicienne en éducation spécialisée, concierge, toutes les agents de bureau et tout ça. Donc, c'est ça qu'on appelle un syndicat multicatégoriel. Moi, je vous dirais que c'est très avantageux d'être multicatégoriel parce que ça nous permet de comprendre la réalité des autres et donc de pouvoir trouver des solutions parfois ensemble. Dans notre conseil d'administration, on a des gens qui sont sur le conseil, qui sont sur le personnel de soutien. On a des enseignantes et des enseignants. Alors, quand arrive, que ce soit un moyen d'action ou que ce soit une politique à prendre, bien là, on a toujours les deux versions. Bien là, si vous faites telle action, bien là, ça vient nuire à nos secrétaires d'école. OK, donc, on va essayer de trouver une action qui ne nuise pas à aucun des deux corps d'emploi. C'est un exemple. Un autre exemple, il y a les conseils d'établissement dans chacune des écoles sur lesquelles siègent les parents et le personnel. Encore là, quand on arrive ensemble avec la même vision de l'éducation, personnel de soutien, personnel enseignant, bien là, c'est beaucoup plus crédible finalement. Alors, je trouve que c'est avantageux d'être un syndicat multicatégoriel. Moi, dès le départ, quand j'ai commencé à enseigner, je voulais être déléguée syndicale parce que c'est ma curiosité. Tu sais, moi, je me disais, je veux savoir qu'est-ce qu'il dit de l'autre côté, comment ça marche toute cette histoire-là. Donc, autant côté patronal, côté syndical, j'avais l'impression comme ça que j'avais vraiment les deux côtés de la médaille. Puis, je suis une personne curieuse qui veut toujours en apprendre. Alors là, j'apprenais des deux côtés. Fait que j'ai toujours été déléguée syndicale, après ça, sur l'exécutif de mon syndicat. Et là, je tombe enceinte de ma première fille. Et là, j'ai décidé que, oups, famille, on se concentre sur la famille. Et je suis revenue comme déléguée en 1994.
comme délégué syndical. Et là, il y a un poste qui s'offrait au syndicat pour 5 mois. C'était un poste qui appelait à l'action sociopolitique. Et il y avait 3 dossiers majeurs. Il fallait faire le mémoire pour les États généraux sur l'éducation. Il y avait le dossier de la laïcité. Et il y avait le dossier de partenaire pour la souveraineté. Parce que le référendum de 95 s'en venait et toutes les organisations syndicales faisaient partie de ce grand parapluie là, de partenaire pour la souveraineté. Alors, le poste était ouvert pour 5 mois. Alors, je m'avais rencontré le président, Régent Parent, le vice-président, Pierre-Paul Côté, puis je leur dis, écoutez, je trouve ça intéressant de me présenter. Mais vous dites que c'est pour 5 mois et c'est pour ça que j'appelais. Parce que si vous me dites que c'est pour 2 ans, je ne suis pas intéressée. Je ne suis jamais retournée à l'enseignement. Jamais. Je suis restée là. Ça a continué. Le poste a continué. Ils m'ont dit, ben là, peut-être que pour 1 an, peut-être que pour 2 ans. Finalement, ça a été un poste qui est rentré dans nos statuts de Champlain comme étant un poste à la coordination. Alors, j'étais coordonnatrice jusqu'au départ de Régent Parent qui est devenu président de la CSQ en 2003. Et là, ben moi, je suis devenue présidente du syndicat de Champlain. Je suis Monique Posé, présidente du syndicat de Champlain. Et j'aimerais souligner le 5 octobre et dire à toutes les enseignantes et aux enseignants de Champlain qu'on est bon. J'ai aimé ça beaucoup. Et c'est sûr, je pense que j'ai trop aimé ça. Je me suis pris dans le fond de passion, autant pour ce que je faisais au niveau du syndicat que ce que je faisais dans ma classe. Alors, j'ai transféré ma passion là et puis je l'ai gardée, je dirais, jusqu'en 2013, jusqu'à ma prise. J'ai eu aussi, je dois dire, l'immense avantage d'avoir un poste qui n'existait pas avant moi. Donc, avec le titre de coordonnatrice à l'action sociopolitique, je lui ai donné la couleur. C'est simplement de comprendre c'est quoi les liens entre ce que je vis dans mon école au quotidien et les décisions politiques qui sont prises. Et au-delà de l'école, ce qui se passe dans la société. Parce qu'on allait aussi, vous savez, ces années-là, il y a eu ce qu'on a appelé, depuis les années 80, mais ça a été très fort rendu là, le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, ça faisait en sorte que plus d'État, on pourrait simplifier ça par plus d'État, privatisation. Alors, on expliquait ça aux gens. J'ai été en 97 peut-être en tournée d'établissement dans les écoles pour expliquer qu'est-ce que c'était et en quoi ça venait leur toucher, les toucher, autant dans leurs conditions de travail que dans leurs conditions de vie. À partir du moment qu'on commence à tarifer davantage les services publics et tout ça, bien c'est toute cette doctrine-là qui s'applique. Alors, ça permet, un coup qu'on comprend tous ces liens-là, peut-être de se mobiliser davantage. En tout cas, je vous dirais que Champlain a toujours été un syndicat très, très, très mobilisé. Le meilleur dossier pour illustrer ce que c'est, comment le sociopolitique vient après ça aider au niveau des conditions de travail, c'est le dossier d'équité salariale. Alors, le dossier d'équité salariale, il commence d'abord, c'est avec la Charte du Québec, des droits et libertés, la Charte. Donc, il commence là, donc c'est très social, c'est les mouvements de femmes qui prônent d'avoir l'équité salariale homme-femme, donc des emplois qui, parce qu'ils sont en majorité féminine, sont sous-payés. Alors, ça commence comme ça, un mouvement de femmes. Ensuite, ça s'applique avec une loi, il y a des pressions qui sont faites avec la loi pour l'équité salariale. Et là, on va faire le lien avec M. Parizeau, parce que M. Parizeau, il préparait son référendum, il voulait avoir l'appui des femmes, alors il a dit oui, on va faire une loi sur l'équité salariale. Fait qu'on voit là, hein, vraiment les impacts politiques sur nos conditions de travail, donnant. Donc, on regarde la conjoncture. Alors là, ça a passé au niveau politique, et après ça, ça a passé au niveau de nos conventions collectives. Alors, un groupe social, un groupe de femmes, la politique et l'application, finalement, et ça a pris des années, bien sûr, de discussion, de revendication, même de mobilisation, pour atterrir vraiment à l'équité salariale complète. Ça a été fini, je pense que c'était en 2006. Alors, on voit qu'une bataille, les batailles syndicales, c'est toujours ce que je dis aux jeunes, les batailles syndicales, c'est long. C'est long, mais il ne faut pas lâcher, parce qu'en bout de course, on a de bons gains. On a des budgets pour aider les groupes. Parfois, on les a aidés aussi. Par exemple, j'étais aux ASF, les associations de consommation et tout ça. Donc, on allait aider dans leur bataille à Longueuil. Il y avait beaucoup la bataille du transport en commun.
Mais nous, on avait des membres dont les enfants étaient à Longueuil qui prenaient le transport en commun. Alors, quand les gens faisaient ces liens-là, ils disaient « Ben oui, c'est correct que mon syndicat s'investisse à défendre le transport en commun avec les ACF parce que ça vient m'aider dans ma famille. » L'endettement, ben avec les ACF, eux autres, ils ont fait une campagne contre l'endettement. Alors, nous, on en plaçait aussi, là, on en parlait dans les écoles pour que les enseignants et les enseignantes puissent prendre et faire de l'éducation auprès de leurs jeunes. En 1900, écoutez, j'essaie de me rappeler en quelle année, mais c'était avant les années 2000. Là, il y avait des compagnies, des restaurants qui essayaient de mettre la main sur les écoles pour vendre du matériel. Je vous donne simplement un exemple. À Longueuil, il y avait une école, une école dans un quartier défavorisé, et il fallait que les jeunes chantent la chanson de Da Giovanni. Puis après ça, il y avait un morceau de pizza. Alors moi, ça m'a... J'étais en mode majeure, en tout cas, ça c'est sûr. Alors là, on a fait toute une démarche, on a monté un dossier là-dessus, puis après ça, on a été le présenter dans les écoles encore là pour dire, écoutez, on t'a pas se faire acheter, là. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Et là, il y a quand même des lois au Québec. Et le Québec, encore là, se distingue du reste de l'Amérique du Nord où on n'a pas le droit de faire la publicité auprès des élèves de 14 ans. Je pense que c'est 14 ans et moins. Les jeunes de 14 ans et moins. Et c'est unique, ça, en Amérique du Nord. Alors, on a été là, on a informé. Donc, encore là, comme on enseigne, je veux dire, on recherche, on prend toutes nos informations, puis après ça, on transmet de l'information. Avec les adultes, on en discute et tout ça, puis après ça, on prenait des positions en congrès, par exemple, pour dénoncer ce fait-là. Alors ça, ça a été une bataille. Puis là, évidemment, le syndicalisme, en fait, c'est toujours des batailles. Hein? On se bat, mais c'est toujours pour améliorer aussi les choses au niveau de la société. Il y a un dossier aussi sur lequel on a beaucoup travaillé avec la centrale, c'est le dossier des écoles vertes Brantland, tout le dossier d'environnement. Alors ça a commencé, oui, ça a commencé en 89, 90. Il y avait ce qu'on appelait les réseaux à la centrale, on appelait ça comme ça. Donc, c'est des gens d'un petit peu partout, membres de la centrale, alors qu'ils viennent des professionnels, du soutien, des infirmières, des enseignants, tout ça. Donc, on se voit en réseau. Et là, vers les années 89, on fait un réseau environnement. Arrive le rapport de Mme Brantland sur l'état de la planète. Et là, on dit à la centrale, ben, on va mettre de l'avant des écoles vertes Brantland. Et les écoles vertes doivent travailler sur l'écologie, la solidarité et le pacifisme. Donc, les trois mandats principaux. À partir de là, on s'implique à faire des cahiers pédagogiques en lien avec le ministère, approuvés la plupart du temps par le ministère. Alors, on en a fait sur Gaïa, qui était la Terre. On en a fait sur la consommation, justement. On en a fait sur la paix, sur la pauvreté. Donc, des cahiers pédagogiques où les enseignantes, les enseignants peuvent prendre le cahier. Toute l'activité est là. Il y a une activité d'abord d'observation de la réalité, après ça, d'analyse de la réalité. Et la dernière activité avec les jeunes qu'on faisait, c'est la transformation de la réalité. Qu'est-ce que je peux faire pour transformer cette réalité-là? Alors, il y a eu des cahiers pédagogiques comme ça. Et Champlain a été très actif là-dedans. On a participé à faire des fiches et tout ça. Et puis après ça, bien sûr, à former les enseignantes et les enseignants pour qu'ils soient en mesure d'utiliser les fiches pédagogiques avec leurs élèves. Mais il y a des écoles où ça prend toujours comme un leader dans une école. Et souvent, il y a eu du personnel de soutien, des concierges, des secrétaires qui ont été les moteurs de ce mouvement-là dans leur école. Et quand les écoles font un certain nombre d'activités, bien, ils reçoivent un statut qui est le statut d'école verte Brantland. Bon, ça fait plus de 20 ans qu'on a un programme d'école verte qui prône le pacifisme, la solidarité. On voit avec eux autres comment, par exemple, faire le lien entre développement, environnement, santé. On voit avec eux autres le développement d'activités non violentes. Quand un jeune arrive à l'école avec un chandail qui fait la promotion de la violence, il n'a pas le droit de le porter, il doit changer. Et là, on permettrait à l'armée de venir s'adresser aux élèves. Donc, quand on était 200 000 dans la rue à Montréal au moment de la guerre en Irak, d'après moi, là, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans la rue qui étaient des jeunes qui avaient passé par les écoles vertes et qui avaient eu des réflexions à faire sur le pacifisme. Puis je continuerai avec les carrés rouges. Je pense qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui ont passé dans les écoles et qui ont fait... Parce que dans le fond, là, le programme des écoles vertes Brantland, c'est le seul programme, je dirais, d'éveil sociopolitique auprès des jeunes.
Et c'est beaucoup les écoles primaires, les écoles secondaires, les écoles d'éducation des adultes aussi, ou de formation professionnelle. Donc, il y a un éveil qui se fait auprès des jeunes. Et c'est vraiment, pour moi, le mouvement par excellence d'éveil des jeunes à tout ce qui est sociopolitique. Je suis persuadée que si à Montréal, on était 200 000 pour la guerre, contre finalement la guerre en Irak, alors que dans le reste du Canada, il y en avait des milliers de personnes, mais jamais ce qu'il y avait à Montréal, je pense que c'est le résultat. En tout cas, j'ose croire que c'est le résultat de cette éducation-là. Il y a des conférenciers, on est en lien par exemple avec Oxfam, avec Enjeu, Environnement Jeunesse, donc ces gens-là viennent, présentent leurs documents, présentent leurs activités, puis là, les gens peuvent en prendre, et puis il y a tout un, sur le site de la centrale, il y a tout un lien avec les écoles vertes Brandtlund qui est important et qui amène vers d'autres organisations, d'autres organismes plutôt, qui travaillent pour l'environnement. Alors, il y a une manne là, très, très, très importante. Il y a des cahiers pédagogiques que les gens peuvent prendre, utiliser dans leur école avec les élèves. Donc, on aide à tous les niveaux, finalement, de cette façon-là. Mais ça, c'est pas connu. C'est pas connu. Jamais on va parler de ça. Les journaux ne parleront pas de ça, voyons donc. Non. Et ils vont parler s'il y a un scandale, ça va faire la page frontispice de tous les journaux. Mais quand les syndicats font de bonnes actions, c'est pas connu. C'est à nous, il faut les faire connaître dans nos propres réseaux et tout ça. Dans les syndicats, les années 90, ça a été effectivement de la grisaille. C'était tranquille. Et la bataille qui a été celle qui a mobilisé les gens et tout ça, ça a été la bataille de l'équité salariale. Et c'est cette bataille-là qui a pris des années. Ça a été inscrit dans nos conventions collectives. En 92, si je me rappelle bien, la loi est arrivée en 96. Et après ça, on a commencé là, les études, la formation des gens, qu'est-ce que ça voulait dire l'équité, les facteurs, les sous-facteurs, le pointage. C'était tout un apprentissage et d'aller l'expliquer aux gens. Puis après ça, ça a été nos revendications. Voilà comment les enseignants devraient être payés. Et là, évidemment, ça n'a pas été « oui » de l'autre côté tout de suite. Non, non, non. Alors là, ça a pris, à un moment donné, on a été en manifestation, on a fait une journée de grève illégale. On a été bloqué le pont qui mène au casino. Une journée, on s'est payé ça. Et après ça, ça a été, c'est ça, de discussion en discussion. Ça a été de faire reconnaître aussi que les enseignantes et les enseignants, dans la convention collective, c'est marqué qu'on fait 27 heures en tout et partout, d'enseignement, d'encadrement, puis de temps libre, si vous voulez, là, pour planifier tout ça. Mais dans la réalité, un coup qu'on a fait toutes ces études-là, c'est qu'on en faisait au-delà de 40 par semaine. Alors, il fallait commencer à faire reconnaître ce 40-là, qui était pas dans la convention. Mais moi, je donnais toujours comme exemple aux gens, j'ai dit, celui qui arrive en ongle, le journaliste qui interview quelqu'un, pensez-vous qu'il n'a rien fait de tout son avant-midi, puis là, rendu de midi à une heure, il fait son émission? Non! Il cherche, c'est qui la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, il lit, il se prépare. Un enseignant, c'est exactement la même chose. Il faut qu'il se prépare. Et souvent, il se prépare, c'est à l'heure du dîner, c'est soir à 4 heures, c'est la fin de semaine. Il faut qu'il corrige aussi. Quand j'étais enseignante, là, le dimanche soir, quand les trois enfants étaient couchés, là, je commençais à corriger mes copies et c'était long. Alors, c'était de faire reconnaître ce travail-là, le travail qui ne paraît pas. Alors, ça a été toute une bataille, celle-là. Vraiment. Et finalement, là-dessus, on a gagné. Après ça, c'était de reconnaître aussi nos conditions de travail. Et là, je vais vous donner un exemple que je donnais aux enseignantes, aux enseignants. Il y a un facteur qui est le facteur concentration qu'il faut analyser. Et c'est des démarches qui sont très, très lourdes, très longues, une démarche d'équité salariale. Il fallait que les enseignantes, et c'était choisi au sort, remplissent, ça prenait une journée complète, remplir un questionnaire sur ce qu'elles faisaient pour telle chose. Alors, je donne comme exemple la concentration. Un conférencier donne sa conférence, quelqu'un l'interrompt, il perd complètement le fil. Mais une enseignante, elle va se faire interrompre parce que là, lui, dans le coin, il a froid, il faudrait fermer la porte. Oups, il y a l'interphone, il y en a un qui vient de rentrer, l'autre qui vient à la toilette. Mais une enseignante, elle va toujours, toujours, toujours garder le fil. C'est incroyable la concentration que ça prend. Bien, ça, c'était des points qui étaient comptés quand on analysait le travail. Alors, il fallait tout faire reconnaître ça. Écoutez, on partait de loin. On partait du fait qu'être enseignante, comme être infirmière, ça fait partie de la seconde nature des femmes.
Alors, c'est de là qu'on partait, d'une vocation à « c'est un travail professionnel qu'on fait, et voilà les critères ». Et alors, ça a été, et ça, ça a mobilisé les gens. Ça a été le combat, je dirais, de ces années-là. Militant, militant, c'est quelqu'un qui veut améliorer. Puis, je dirais, améliorer dans, au niveau de notre syndicat, c'était améliorer dans mon école. C'est quelqu'un qui veut être capable d'aller aider. En quelque part, un militant, c'est quasiment des aidants naturels. Ils se sentent des fois à dire, ben là, mon Dieu, lui, ça ne marche pas son affaire, tu sais, ou qu'est-ce qui se passe? Oh, la direction veut le voir, il est anxieux, ben je vais l'accompagner. Veux-tu que je t'accompagne? Je vais y aller avec toi, on va juste prendre des notes, après ça, on va se parler. Donc, c'est des gens qui veulent aider beaucoup, je dirais, qui veulent améliorer aussi, améliorer autant dans leur classe, améliorer au niveau de l'école. C'est ça, les militantes et les militants là, dans les services publics. Ils veulent que ça fonctionne. Je pense qu'on a tous le but de dire, ben, il faut que ça aille bien. Et qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille bien? Ben, certains vont s'investir, par exemple, au niveau de l'environnement, dans leur école, essayer de devenir une école verte Brandeclune. D'autres vont s'investir au niveau carrément militant syndical, délégué syndical pour mon école. Il y en a qui vont aller à l'exécutif et que là, eux autres, ben, ils vont pouvoir aussi aller dans les écoles mener des dossiers. Alors, militant, militante, c'est proche d'un aidant naturel. Il y en a qui le sont carrément. Il faut lire un petit peu, là, peut-être, les analyses après, là, sur les carrés rouges. J'ai lu un livre, entre autres, qui s'appelle « De l'école à la rue ». Et ce que j'ai compris d'eux autres, puis que le mouvement syndical devrait apprendre d'eux autres, c'est tout... avant la mobilisation, tout ce qu'ils ont fait avant, c'est incroyable. Ils allaient dans les classes, ils allaient expliquer qu'est-ce que c'était que l'augmentation, en quoi c'était pour porter atteinte à leurs études, que c'était pour travailler plus, pour arriver à payer davantage. Ils ont fait un travail d'éducation, dans le fond, ils ont fait un travail d'éducation incroyable. Alors, quand est arrivé le mouvement vraiment de grève, mais tous ces jeunes-là avaient eu de l'argumentaire, avaient eu... Et c'est ce bout-là, je pense, que les centrales syndicales n'ont pas vu. Puis que là, oups, tu sais, ça lève, et c'est incroyable. Et de ça, je pense qu'on a à apprendre comme syndicat. Qu'une mobilisation, ça part de loin, ça se fait pas la veille qu'on veut déposer une convention collective, ou un renouvellement de convention collective. Ça part avant, et qu'il faut que les gens... place les enjeux de façon très globale. Gabriel Nadeau-Dubois disait, une conférence que j'avais assistée, il disait, dans le fond, notre lutte était très corporatiste. On ne voulait pas payer plus. Mais il dit, ce qu'on a fait, on l'a placé dans un enjeu social, dans l'enjeu d'accessibilité pardon, à l'éducation. Et là, c'est devenu un enjeu social. Il dit, c'est comme ça qu'on l'a placé. Alors, je pense que les centrales syndicales et les syndicats en général doivent le voir comme ça, doivent être capables d'expliquer socialement. Ma revendication, c'est, oui, c'est peut-être juste comme, ça a l'air juste d'être très corporatiste, d'être pour moi, mais ça a un impact sur l'ensemble de la société. Maintenant, qui pouvait prévoir que c'était pour avoir l'ampleur que ça a eu? Moi, ça, je pense qu'il n'y a pas simplement les centrales syndicales qui n'ont pas vu ça. Je pense que même le mouvement étudiant s'est trouvé lui-même dépassé par l'ampleur de la mobilisation. Puis je vous dirais que le mobilisateur en chef, c'était Jean Charest. Par sa façon de les traiter comme des enfants, d'aller sur l'individu, hein, là, oui, mais toi, tu veux suivre tes cours, ben là, tu vas t'en aller devant un juge pour toi avoir ton cours. Donc, de mettre ça très, très, très individualiste, alors qu'eux autres, les étudiants étaient dans quelque chose de global. Alors, ensuite, de vouloir les écraser par une loi, en plus, alors, je pense que c'est lui qui a été le meilleur agent mobilisateur de ce mouvement-là, qui a dépassé comme ampleur tout ce qu'on aurait pu imaginer. Alors, et ça fait du bien. Je pense qu'ils ont beaucoup appris. Ils ont appris en termes de solidarité, ils ont appris en termes de mobilisation, ils ont appris aussi comment est-ce que l'État, parfois, peut être répressif avec des lois spéciales et tout ça. Comme nous, dans le mouvement syndical, les lois spéciales pour nous faire rentrer au travail, là, c'est une, puis un autre, puis un autre. Là.
Moi, j'ai hâte de voir ces jeunes-là quand ils vont être rendus dans le milieu de travail. Bien, ce que je leur donnerais comme conseil, c'est de s'informer. De jamais prendre quelque chose pour acquis de ce qu'ils vont lire dans un journal. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit autre chose? Est-ce que mon syndicat est capable de me faire une analyse de ça? Donc, de rester toujours très curieux. Et je vais tenir ça d'un autre conférencier, il disait, faut s'indigner, faut s'informer, après ça, faut s'impliquer. Il appelait ça les 300. Donc, s'indigner, il y a quelque chose qui se passe, mon Dieu, le journal de Montréal, la presse dit telle affaire, c'est épouvantable, comment ça? Après ça, je vais aller m'informer. Là, ah, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt ça. Et s'ils disent ça, c'est parce qu'ils ont tel but, OK, alors maintenant, je vais m'impliquer. Ça va être quoi, à votre rêve, pour continuer à vouloir améliorer? Ça ne me dérange pas!